L'intervention de ce soir est capitale, puisque vous savez que les médias s'intéressent beaucoup aux élections, mais c'est ici que les prochaines élections se décident. Bon. Donc le thème de cette conférence de presse, c'est l'élection 2016-2017 à la reconquête de la langue française. Bon. Donc la parole, Maurice Druon disait ces choses tout à fait simples, c'est que le pouvoir est l'instrument premier, la parole est l'instrument premier du pouvoir, bon, que la démocratie ne donne pas le pouvoir au peuple mais à l'éloquence, que la civilisation est d'abord un langage. Donc c'est bien situer la place du langage dans ce qui va être l'enjeu des prochaines élections. Et donc, la langue française s'invite aux élections de 2017. Donc, il y a eu... cette année 2016 a été faite en un de la reconquête de la langue française par Philippe Bossan, donc, qui est mort l'année dernière dans les conditions dramatiques que vous savez. Et donc, cette année 2016 fut riche en imprévus, et 2007 s'annonce décisive à cet égard. Donc, la langue française est la clé de tous les problèmes débattus dans les élections, aux élections, que ce soit les primaires, que ce soit les présidentielles, que ce soit les élections à l'Académie française, que ce soit la question de l'école, la question du chômage, la question de la place de la France dans le monde, la question du terrorisme, la question de l'immigration. Mais cette clé n'est pas présente dans les programmes. C'est-à-dire que ni à l'Académie française, ni aux primaires, ni pour l'instant, pour les présidentielles 2017, il en a été question. Donc c'est le sujet qui nous intéresse. Comment la langue française peut-elle s'inviter officiellement aux élections? Puisque les élections sont une question de langage, de deux manières, d'une part par les lettres, par le débat et par les chiffres. Donc c'est un autre langage. Alors Versailles, pourquoi Versailles? Quelle est la raison pour laquelle cette déclaration, qui est le début du prochain manifeste aux aveugles du langage, pourquoi Versailles? Alors Versailles, donc, il faut apprendre à lire. Donc la question des aveugles du langage, c'est la question d'apprendre à lire. Alors pourquoi aveugle le langage? Pourquoi ce terme? Donc, c'est que donc nous sommes dans une situation d'illettrisme général, et par exemple, la question importante de Versailles, c'est comment lire Versailles. Vous avez des touristes qui visitent Versailles, ils rentrent, ils sortent, mais il ne s'est rien passé au milieu. Or, quand vous regardez Versailles en termes politiques, vous constatez qu'il y a trois choses à Versailles. Vous avez le Grand Parc, l'extérieur, vous avez, on peut dire, une certaine sémantique, c'est là que Molière présentait ses pièces. Et puis, vous avez le symbole de Versailles lui-même, qui est l'emblème de la France vu de l'étranger. C'est le symbole de la France, c'est-à-dire que Versailles, aussi étrange que la puisse paraître, vu de l'étranger, c'est l'emblème de la France, et ça a été repris d'ailleurs par le président du château, Madame Pégard. Mais à l'intérieur, ce qui est totalement ignoré, les touristes tournent autour sans le savoir, il y a la plus haute instance de la République, qui est le Congrès. Pourquoi, diable, si j'ose dire, la République a-t-elle été obligée de mettre sa plus haute instance à Versailles? C'est la question capitale. Eh bien, c'est parce que c'est Versailles qui est le légitimant de la politique. C'est Versailles qui légitime la République, et pour légitimer la République, elle devait venir à Versailles, comme les États-Unis sont présents. Alors, donc, nous pouvons dire que depuis trois siècles, Versailles légitime tous les régimes, qu'ils soient fastes ou néfastes, si j'ose dire. Vous avez le grand siècle, qui selon Voltaire a été le plus éclairé de l'histoire. Vous avez la langue française, le latin des modernes, qui est sorti du XVIIe siècle, mais principalement de Versailles, l'Europe française, la Révolution, le Reich allemand, la République, la Troisième République. Jeff Koons s'est invité, c'est-à-dire que l'art contemporain new-yorkais est obligé de venir à Versailles pour avoir son poinçon d'authenticité d'envahir l'Europe. La Manif tous à sa manière, la Manif pour tous est sortie de Versailles, et le Congrès s'y trouve. Donc depuis le grand siècle, Versailles est le grand légitimant de tous les régimes, et c'est la raison pour laquelle cette action doit être lancée de Versailles. N'est légitime que ce qui vient de Versailles. Alors pourquoi est-ce que Versailles est ce légitimant?
Eh bien, parce que la politique est d'ordre symbolique et la symbolique est d'ordre sémantique. Et vous avez les trois ordres. Vous avez la sémantique qui est l'ordre de la pyramide, la symbolique qui fait passer du visible à l'invisible, et la politique qui est ce qui est au bas de la pyramide. Donc quand vous voulez reprendre la pyramide politique, il faut partir de haut en bas, la politique est en bas. Il faut passer d'abord des valeurs qui sont sémantiques. Donc, Versailles représente ces trois ordres, et ce qui est extraordinaire, c'est que Louis XIV a construit une machine à gagner, une machine de prise de pouvoir par excellence. Donc ce n'est pas par hasard que les États-Unis prennent Versailles comme pivot de la domination culturelle de l'Europe et la France. C'est parce que la France est cette machine de prise de pouvoir culturel. Et donc Versailles, c'est l'école de la prise de pouvoir sémantique. Voilà. Alors la bonne nouvelle, j'ai deux bonnes nouvelles et deux mauvaises nouvelles à vous annoncer. La première mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement nous sommes au bord du précipice, ça tout le monde décline, tout le monde s'amuse, tous les livres qui sortent, ça va mal, c'est terrible, c'est le suicide. Donc ça je ne vous apprends rien. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes, il ne faut jamais dire que c'est la dernière chance, mais si nous sommes au bord du précipice, pourquoi? Parce qu'effectivement la situation est extrêmement grave. Et ce qui serait une circonstance favorable, c'est l'histoire de la grenouille. C'est quand la grenouille est secouée par l'eau chaude, vous savez qu'elle se réveille. Donc nous sommes dans une bonne situation pour nous réveiller, mais c'est une course de vitesse. C'est-à-dire que pendant que le problème devient visible, au moment où il devient visible, vous avez le disque dur de l'intelligence qui s'efface. C'est-à-dire que ceux qui devraient pouvoir tirer profit de cette situation pour dire « voyez maintenant, c'est évident », eh bien il n'y a plus rien dans le cerveau. Donc ça, c'est toute la littérature, je dirais. Quand vous voyez les livres, j'y suis repassé, les livres politiques, c'est le désastre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Tout le monde est du côté du problème, tout le monde dit, voyez, il y a un problème, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Et plus que le problème est grave, ça va se régler tout seul. C'était la politique de Louis XVI. Hein. Plus ça ira mal, plus nous serons près de la solution. Donc ça, c'est la première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que vous avez, j'en parlerai, mais je le dis tout de suite, beaucoup de faux porte-parole. C'est-à-dire que ceux dont on parle le plus... Je vous parlerai de Philippe de Villiers, je vous dirai deux mots de Zemmour, je vous dirai de Natacha Pelley. Donc tous ceux qui sont médiatisés, effectivement, et c'est facile à voir, il y a un critère qui permet de voir qu'ils sont de faux porte-parole. Et je vous le dis tout de suite, le faux porte-parole, c'est celui qui n'apporte pas la solution. C'est comme le faux médecin. C'est-à-dire qu'il décrit très bien le problème, il le décrit assez bien, mais ils oublient de donner la solution. J'avais un problème informatique. Quand vous voulez voir s'il y a un virus, vous regardez s'il a un nom de sauveur. C'est-à-dire s'il y a marqué répare, nettoie, c'est le virus. Donc la technique du virus informatique, vous pouvez vérifier, c'est celui repair, etc. C'est celui qui se présente comme un réparateur. Ouvrez-moi, je vais vous réparer l'ordinateur. Mais c'est celui qui se présente comme le sauveur qui ne l'est pas. Et le sauveur en question, en termes médiatiques, se reconnaît très bien parce qu'en général, il sort de la commande en jour. Bon, vous avez toute une presse officielle, si vous voulez, mais même maintenant, vous avez un certain Valls qui est contre le système, dit-il. C'est extraordinaire. Il en sort et il est contre, vous voyez. Donc il change de... Il y a un côté comique, mais il y a un côté dramatique. C'est qu'effectivement, du côté de la solution, il n'y a aucune proposition. Vous pouvez les prendre un par un, il n'y a aucune solution. Alors on dit, il faut avoir confiance en la France, je vous le dirai toujours. Voilà. Donc ça c'est la première mauvaise nouvelle. Nous sommes au bord du précipice, donc c'est plutôt favorable. Nous allons voir le précipice, mais au moment où nous allons le voir, le disque dur est en train d'effacer. Mais il y a deux autres bonnes nouvelles maintenant, en face des mauvaises. La première, c'est que nous pouvons réussir, hein, ça c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons la méthode. Bon, le maréchal Foch disait, la guerre m'a appris que pour gagner, pour vaincre, il faut un but, un plan, une méthode. Et regardez dans les programmes, il n'y a pas de but, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de méthode. Bon, c'est simple. Bon, donc ce que je vais vous dire au nom de l'Union nationale des écrivains de France, et donc c'est, en vue des nouvelles élections, c'est qu'il y a un but, un plan, une méthode. Et ça a été vu notamment par Philippe Bossan, avec Philippe Bossan, qui a déclaré cette année, année de reconquête de la langue française. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir, qui ne veut pas aller dans ce sens. Maintenant c'est clair, on est pour ou contre, c'est tout. Bon. Donc ça va être le thème des prochaines élections. Donc, alors,
Et ceci, c'est à l'école de Versailles. C'est-à-dire que le modèle qui nous permet de vaincre, c'est le modèle de Versailles, qui est le modèle issu du miracle grec. C'est-à-dire que les Grecs, il y a eu un miracle grec, il y a eu un miracle français au XVIIe siècle, donc parce qu'il y a un secret, il y a un trésor, il y a une méthode. Donc il ne s'agit pas d'inventer quoi que ce soit, il s'agit d'utiliser cette arme secrète qu'ont découvert les Grecs, que les Français ont mis en œuvre, et qui, toute cause produisant, devant produire les mêmes effets, doit nous permettre effectivement de gagner. Vous avez un certain Fillon qui a dit qu'il faut un nouveau logiciel. Belle formule. Bon, mais lequel? Il ne s'agit pas d'avoir un nouveau logiciel. Le logiciel gagnant, nous l'avons, c'est celui qui fait fonctionner notre cerveau. Et ce qui fait fonctionner notre cerveau, les Grecs l'ont mis en œuvre, et l'Académie, d'ailleurs, doit donner des règles certaines pour préserver ce logiciel. Ça porte un nom, évidemment le dictionnaire, c'est le moins, mais vous avez la grammaire, vous avez la rhétorique, vous avez la sophistique, vous avez la poétique, et vous avez la logique, ce sont les outils du cerveau. Donc sur les logiciels, c'est facile, vous les chargez comme vous chargez les autres, et s'il manque un de ces logiciels, le cerveau ne fonctionne pas, et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que l'éducation nationale a pour mission de détruire le disque dur, c'est le logiciel. Et ça, c'est facile à mesurer. Je l'ai dit seulement déjà en 1977. J'ai annoncé la crise que Natacha Bolloni a rapportée dans le Figaro en disant c'est il y a 20 ans. Non, nous savons dès le départ que c'est un instrument de destruction des outils de l'intelligence avec le rapport de cause à effet. Donc c'est facile à comprendre. Alors, l'aveugle, pourquoi se manifeste aux aveugles du langage? Donc aveugle, en principe, c'est la vue. Le langage, en principe, c'est l'écrit. Pourquoi lier les deux? Parce qu'on dit, voyez-vous ce que je dis? Voyez-vous l'œil, ce que je dis, la bouche, et c'est votre oreille. Donc c'est bien le fonctionnement du cerveau. Et les aveugles du langage, vous les voyez très bien quand vous voyez une affiche, ce qui donne le sens à l'image, c'est la connotation. Donc c'est bien le verbe qui donne un sens positif ou négatif à l'image, et c'est tout le rôle de la propagande. Bon. Alors, les Français ont perdu la vision actuellement. Ont perdu la vision, c'est-à-dire qu'ils voient, mais ils ne comprennent pas. Hein, c'est comme vous regardez un texte chinois. Vous avez la vue, vous voyez les... Mais vous ne comprenez pas. Ce qui compte, ce n'est pas la vue, c'est la vision. Vue et vision, l'intelligence de l'œil. Bon. Alors, ce constat de perte de vue, nous le voyons à Versailles parfaitement. Vous envoyez une lettre à la reine d'Angleterre qui explique ce qui s'est passé à Versailles avec Jeff Koons. Vous expliquez que l'incrimination des royalistes ultra-conservateurs découverts par toute la chaîne de commandement jusqu'au de la première République n'existe pas. Pas de réponse. Alors, pas de réponse de ceux qui ont fait le coup. Bon, ça c'est normal. Mais ceux qui devraient être intéressés à la vérité, pareil. C'est-à-dire que les disques durs ne fonctionnent pas. Aveuglement total, pas de réponse. L'exposition donc de Koons, même chose. Bon. Ensuite, vous avez Maastricht. Tout a été annoncé à Maastricht. C'était facile de voir que le système européen était fonctionnel à l'envers, qu'il veut nous ruiner. Ça a été dit, ça a été écrit. C'était en 1992. Et on continue à chercher. Donc, aveuglement. Bon, l'échec scolaire. C'est quand même extraordinaire. L'alphabet. Personne ne propose de réformer l'alphabet. Bon, ben l'alphabet, c'est ce qui sert à apprendre à lire. Bon, depuis l'Antiquité, nous savons lire. Eh bien, l'éducation nationale cherche toujours la bonne méthode. Une mère de famille met 3 mois à apprendre à lire à son enfant l'éducation. Mais personne, on continue à faire semblant de chercher. Donc ça veut bien dire qu'il y a cette destruction de l'intelligence qui aveugle, qui est faite pour aveugler. Donc nous pouvons continuer indéfiniment. Pourquoi un tel aveuglement systématique? Bon, il y a une seule cause, c'est que nos contemporains ne savent plus lire, donc ce sont des grands mutilés. Hein. Nous le voyons quand nous parlons, nous ne sommes pas entendus, vous voyez les débats partout, c'est-à-dire qu'effectivement, cette destruction du langage accélérée, avec l'anglicisation, nous parlons accélérée, fait que les Français ne sont plus en état de profiter de cette situation, tout est fait pour l'empêcher. Bon. Donc, on peut dire que ce mal français qui est cherché, là encore aveuglement, le mal français, on en parle depuis quand? Eh bien, Alain Duhamel nous a révélé qu'on parle du mal français sous forme de déclinisme depuis Voltaire. C'est Alain Duhamel qui le dit dans ses pathologies françaises, de demander pas à Alain Duhamel de dire quelle est la solution. Lui, c'est celui que je vous ai décrit, c'est le faux porte-parole, il est capable de décrire le problème, mais pas de vous donner la solution.
Voilà, bon, c'est merveilleux. Alors, on décrit, on peut, bon, très bien, très bien. Bon. Mais c'est la solution qui compte. Or, ce qui est intéressant, lorsque Alain Duhamel, qui est une autorité incontestable, soulève son équilibre, c'est que Voltaire dit déjà que depuis Louis XIV, donc depuis le grand siècle, depuis l'invention du grand classicisme français, depuis ce rayonnement de la France, eh bien, ça décline. Eh bien, depuis, ça décline. Vous lisez Chateaubriand, etc., ça décline. Mais ça décline vraiment. Parce qu'effectivement, les Latins disaient, parlaient des laudatores temporis acti, ceux qui louent les temps passés, mais ça peut être vrai. C'est comme quand vous voyez quelqu'un qui vieillit, c'est pas parce que vous dites qu'il ne vieillit pas. Hein? Donc c'est pas parce qu'on dit que ça va plus mal que ça va mieux. Donc là, il y a un petit problème qui se passe. Bon. Et donc, depuis effectivement le grand siècle, nous ne cessons finalement de décliner, et lorsque vous lisez les programmes politiques actuels, ils se réclament tous de la grandeur de la France, c'est merveilleux, la France, l'immortalité, etc. À la fin des livres, c'est tout ce qu'ils disent. Ils n'ont rien d'autre à dire. Ah, c'est un grand pays, vous avez le président de la République qui l'a dit, mais pourquoi? Ils sont incapables de le dire. Ils ne peuvent pas le dire. Parce qu'effectivement, le modèle français est l'inverse de leur politique. C'est-à-dire, comme l'a dit quelqu'un qui se reconnaîtra ici, c'est-à-dire que pour prendre le pouvoir en France, il faut dire qu'on aime la France. Alors les Français votent pour nous. Ah, j'aime la France, je vous aime, vous êtes beau, etc. Mais dès qu'on est au pouvoir, il faut rentrer dans le moule de sa destruction. C'est pour ça que ça décline constamment. C'est-à-dire que le ticket d'entrée pour diriger la France, c'est de dire qu'on aime la France, et tout de suite après, de la détruire, d'être au service, pour faire très 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 court, de l'anglicisation. Hein, l'anglicisation, vous savez, le chien parle la voix de son maître, il y avait des disques à une époque, c'est-à-dire que quand vous voyez, quand vous voulez voir de, quel est le chef, quel est le maître de quelqu'un, vous écoutez sa langue, et vous avez très bien compris quel est son maître. Parce qu'en général, le chien imite le maître. Bon. Et donc l'anglicisme, l'anglicisation à marche forcée, à l'université, disons qu'à la Commission européenne, partout, 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 vous voyez maintenant, il suffit d'ouvrir les yeux à la télévision, à la radio, partout, c'est l'anglicisation. Comme je vous l'ai dit, ça s'accélère. Quand la bête commence à comprendre ce qui lui arrive, il faut renforcer la dose. Bon. Donc il y a une seule cause, c'est l'aveuglement. L'aveuglement sur la langue. Donc, le mal français qui était cherché depuis Voltaire, et ça se suit dans la langue, c'est le mal du français. Donc, le mal des Français, c'est le mal français, c'est le mal du français, de la langue française. Bon, et c'est un mal de tête. Donc, il suffit de faire une petite radiographie de votre voisin, etc. Vous verrez très bien ce qui manque. Vous parlez avec quelqu'un, vous voyez bien ce qu'il ne répond pas. Hein. Vous appuyez, la logique, c'est pas bon. Vous voyez très bien. Donc ça ne facilite pas le débat. Alors, maintenant, la situation, donc c'est une situation de mutilation, mais qui est réparable, comme je l'ai dit. Bon, donc, ce que disait Philippe Bossan, c'est comment remédier? Parce que moi, mon propos n'est pas de vous dire que ça va mal. C'est de vous dire quelle est la solution. Cette solution, elle est praticable. Donc il faut remettre le symbole de l'académie au centre. C'est-à-dire que la grande figure de la stratégie, c'est d'obliger l'ennemi à quitter ses positions. Or, la France a les positions dominantes dans la culture, par sa position géographique, par son histoire, par son autorité, par sa langue. Elle a, la France avait tout. Je vous rappelle que la France était la Chine de l'Occident il n'y a pas si longtemps. Première puissance au monde. Les États-Unis n'étaient rien. C'est ahurissant. 26 millions d'habitants, 1 million d'habitants. Comment est-ce que les Anglo-Saxons, qui n'étaient rien, sont-ils arrivés à être dominants? Parce qu'ils ont une méthode. Et ils ont une double méthode. Une méthode pour vaincre et une méthode pour détruire. Pitt disait à l'époque de la Révolution, nous avons une autre méthode pour faire la guerre. Ben, la méthode, c'est l'entrisme. Bon, c'est les tout ceci, les Français ne savent pas que le système politique français ou républicain est anglais. Ils ne savent pas. Bon. Donc, il faut une méthode. Or, les Français ont perdu leur méthode. Et comme dans les combats de gladiateurs, les Français ont leurs armes, les Anglo-Saxons ont leurs armes, et il faut connaître ces armes et celles de celui contre lequel on se bat. Bon, évidemment, ne demandez pas aux Français quelle est leur méthode. La méthode, c'est le modèle français. Et ils l'ont abandonné par leur langue. Maintenant, l'intelligence, je ne pense pas à un certain président de la République, c'est de montrer qu'on parle anglais. Mais c'est pas une langue, l'anglais, c'est vaguement un dialecte. C'est même pas un dialecte. Alors, donc revenir à l'académie. Mais l'académie n'applique pas ces statuts. C'est-à-dire que vous avez des institutions en France, notamment l'éducation nationale, qui ont une mission mais qui ne l'appliquent pas. Et personne n'est là pour le reprocher. Il n'y a jamais de responsable. Bon,
Vous avez constamment l'école qui est réformée avec de nouvelles réformes en disant on va améliorer, ça va toujours plus mal. Vous avez le malade qui est toujours plus malade, mais personne ne met en cause le médecin. On va inventer un autre médicament qui va sortir. Mais il s'agit de sanctionner, c'est-à-dire, mais jamais, ça c'est jamais. Bon, donc l'académie, pour voir quand même, l'académie a été créée justement pour sauver ce trésor. Le miracle français, c'est l'invention de la langue française, qui est une arme totale, c'est l'alpha et l'oméga. Je veux dire, la puissance de la langue française, l'outil que je propose pas personnellement, je ne suis que, je répète ce que disait Bossan et tous ceux qui étaient avant lui, c'est que c'est l'arme atomique totale, la langue, totale. Et ça peut se dire en trois points. Le premièrement, c'est que la langue, c'est ce qui a fait dominer l'Europe par la France. La langue française a dominé. Pourquoi ? Alors maintenant, on vous dit, Madame Carré-Dancos dit, il faut avoir foi en la langue française. Mais ça veut dire quoi, foi en la française ? Ben, c'est un peu comme Hollande avait foi en la France. C'est-à-dire, la France est tellement forte qu'elle va me supporter longtemps. Bon, mais d'où vient cette foi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'effectivement, elle était pratiquée avec des valeurs, elle avait une structure, elle avait un plan, des littératures, et elle a dominé par la fascination. C'est pas parce que c'était du français. D'ailleurs, quand Hollande, le président Hollande parle français, ça n'impressionne personne. Donc c'est pas uniquement d'employer les mots. J'emploie les mots, et non, non, il faut pas seulement parler français, il faut penser français. Parce que la langue signifie quelque chose, c'est le nectar. Bon, et donc... l'académie devait préserver, doit préserver la langue. Mais pas uniquement le dictionnaire. L'académie s'est arrêtée à la première étape, le dictionnaire. Mais après le dictionnaire, il y avait la grammaire. Comment est-ce que les mots s'arrangent ? Ne demandez pas à l'académie, ça va, c'est pas son problème. Elle fait des mots, mais comment, qu'est-ce qui se passe après ? Elle ne le sait pas. Mais après, il y a la rhétorique. Parce que la mission de l'académie, c'était de donner des règles certaines, donc il y a le mot règle, il y a certaines, pour rendre la langue, pour la rendre... pur, alors le mot pur, attention, qu'est-ce que c'est qu'une langue pure ? Je n'en parlerai pas là, en l'absence de mon avocat, mais après, il fallait la rendre éloquente. Éloquente, qu'est-ce que ça veut dire éloquente ? Donc ça veut dire la rhétorique. Qu'est-ce que c'est que la rhétorique ? Ne le demandez pas, c'est pas enseigné à l'école nulle part. Et puis après, et la poétique. Pourquoi la poétique ? C'est pour accéder au sublime. Et c'est quand tout ceci était mis en œuvre, évidemment, sous le chef d'orchestre, évidemment, de la logique, et en se préservant par le programme antivirus, la sophistique d'Aristote, que les Français dominaient le monde. Alors pourquoi est-ce que c'est l'arme totale ? Ben parce que d'abord, ça a montré son efficacité, elle a montré son efficacité au grand siècle, donc la langue française, jusqu'à ce que vous avez un certain Clémenceau, l'English, qui est trahi en permettant de penser le programme, le traité Versailles à l'envers, eh bien, donc le français a dominé. Mais vous pouvez utiliser le français contre le français. Donc c'est la deuxième puissance du langage, comme la langue d'Ésope. Donc en positif, vous avez eu la langue française, mais vous avez la langue révolutionnaire. La langue révolutionnaire, c'est comme vous, quand vous avez un cerveau positif et un cerveau négatif qui le détruit, la langue révolutionnaire a été enquistée à l'intérieur de la langue française pour annuler la langue française. C'est très bien expliqué par la harpe. Et le mal français que nous avons, c'est que dans la langue française, il y a le pour et le contre. C'est ce blocage. Alors on pourrait schématiser à l'outrance, vous avez la langue de droite et la langue de gauche qui fait que rien ne marche. Donc le français est divisé contre lui-même, hein, avec les valeurs et les contre-valeurs, et c'est ce qui détruit le pays. C'est-à-dire qu'un tout régime divisé contre lui-même, périra, tout royaume divisé contre lui-même, périra, toute langue divisée. Donc c'est le fond de l'affaire. Et l'académie, pour vous dire où ça en est, l'académie ne respecte pas ses statuts, ne respecte pas ses missions, de donner des règles certaines. Et Maurice Schumann, dès le 30 janvier 1975, parce que l'intelligence, ça permet de prévoir. Quand vous avez un malade qui est malade, vous le savez qu'il est malade. Vous savez les étapes par lesquelles il va passer. Donc tout ce qu'on nous raconte n'est fait que pour faire attendre que nous mourions. Hein. Tous ces débats ne mènent à rien, parce que le but, c'est de gagner du temps. Il faut que la bête meure sans s'en apercevoir. Et donc, le Maurice Schumann, donc ça fait quand même 40 ans. Maurice Schumann disait, le temps des héritiers est terminé, il faut maintenant forger, le mot forger est important, forger les armes de la reconquête de la langue. Qu'est-ce qui a été fait ? Rien. Même pas chercher à savoir ce qu'il faudrait. Qu'est-ce que ça veut dire les armes de la reconquête ? Rien. Voilà où on en est. Or, Maurice Schumann, c'était dans le cadre de l'Académie. Donc l'Académie, après avoir constaté qu'il y a une destruction de la langue, et ses instruments,
devenus, qui semblent devenir les ennemis. Vous savez, quand les Allemands franchissent la frontière, ils semblent les ennemis. Alors comment est-ce qu'on passe de sembler à être? Bon, eh bien, elle a interpellé le président de la République le 5 décembre 2013 en disant, bon, il faut que l'année 2014 soit l'année de la reconquête. Pas de réponse. Mais quand il n'y a pas de réponse et que vous avez une épée comme l'ont les académiciens, il faut sortir l'épée. Il faut faire quelque chose, il faut tirer l'épée, comme on dit. Rien. Vous voyez, donc c'est la perte de logique, c'est-à-dire que ce qui fait la puissance de la langue, c'est une suite, un enchaînement de maillons, chacun tenant l'autre. Si la langue, si vous n'avez plus la logique, ce qu'on appelait le raisonnement moral, à ce moment-là on peut parler pour ne rien dire, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une suite, c'est comme dans les jugements, vous avez d'abord les faits, après vous avez de libérer, puis après, enfin, il faut qu'il y ait une suite, il faut qu'il y ait un rapport qui mène des faits à la conclusion. Mais ça a été abandonné comment? Et bien par un artifice extraordinaire, c'est que c'est important, c'est l'opinion. C'est-à-dire que ce n'est plus le raisonnement, maintenant, disons, ce n'est plus la réalité, c'est chacun s'exprime. Une voix, une opinion, etc. Et donc, il n'y a pas de suivi. Le président de la République ne répond pas alors qu'il est responsable, pas de responsabilité. Donc comment voulez-vous qu'un pays fonctionne si personne n'assure sa mission? L'académie n'assure pas sa mission, bien au contraire, elle fait semblant. Vous avez l'école qui détruit l'enseignement. Le président de la République a même été interpellé par Franck Ferrand parce qu'il ne sait pas parler français. Il dit « qu'est-ce que ça cache ?» Pas de réponse. Donc tout le reste, c'est du pipeau. Tout ce qu'on nous raconte, ça veut dire que tout ça, tout ce qu'on voit, c'est un nuage, de l'enfumage, diraient certains, et que les véritables enjeux sont derrière le rideau. Bon, voilà, donc nous en sommes là. Alors, donc nous sommes dans une situation de haute trahison. Alors l'Académie, elle est bien obligée de dire qu'une chose ne va pas très bien. Bon, alors quand vous lisez les discours de Mme Carré d'Encausse, bon, elle a identifié trois causes. L'école, évidemment, l'effondrement de l'école, on ne peut pas le prévoir. Bon. Ensuite, une deuxième cause, c'est l'anglicisation, on ne peut pas l'avoir. Et puis elle dit la désaffection des élites, mais ce ne sont pas des élites. Le mot élite veut dire ce qui est le meilleur. Donc, mais quelle conclusion tirer? Vous voyez, il y a une telle perte de connaissance de ce qu'est la langue que l'Académie ne se sent pas obligée de tirer des conclusions et pas un plan d'action. C'est-à-dire qu'on remarque des choses, c'est ce que vous voyez, c'est le millefeuille dans les médias, le millefeuille. Bon, voilà où on en est. Donc, cette année, c'est pour ça que c'est l'année de la reconquête, il y a quand même 80% des Français qui se sont dressés, 80% c'est une bonne majorité quand même. Hein? Bon, mais d'ailleurs c'est tout le monde d'ailleurs. Les Français sont dressés contre la réforme de l'orthographe, qui tout le monde a senti que c'est une destruction de la langue française. Eh bien, pas de suite. Donc la logique est abandonnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... La logique n'oblige plus, on disait noblesse oblige. La logique n'oblige plus, la pensée n'oblige plus, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a des sondages, on compte, on va y aller. Donc c'est vraiment la destruction du disque dur. C'est la destruction totale de l'intelligence. C'est-à-dire que maintenant, c'est la non-réponse à la conclusion, je dirais. Vous dites une chose, on ne répond pas. On n'a pas à répondre. Bon, moi, je prends par exemple François Fillon, je lui ai posé la question, je lui ai dit qu'il fallait qu'il me réponde d'ici ce soir. Pas de réponse, alors qu'il m'a répondu auparavant. Donc, nous sommes dans ce monde, c'est-à-dire qu'il faut se présenter devant la télévision serrant la main un boucher charcutier, un boulanger, un paysan, on va dans les hôpitaux, bon ça c'est bien, mais ça dispense de répondre, vous voyez. C'est l'image qui parle, comme on dit, les images, le choc. Donc, nous sommes dans ce monde quand même terrifiant. Alors, heureusement, il y a des personnes qui travaillent, sont les esclaves. Alors, les esclaves sont tenus, évidemment. C'est comme à Versailles, il y a des esclaves, hein, on les voit, c'est ceux qui n'arrivent pas en voiture le matin, avec des chauffeurs, vous voyez. Bon, mais les maîtres arrivent avec chauffeurs, gyrophares, et tout ça. Bon, mais les esclaves, c'est ceux qui font marcher les choses. Mais eux, ils sont obligés d'être tenus par la logique. Ils doivent arriver à l'heure, il ne faut pas qu'ils se trompent, ils doivent être polis. Cela, on les reconnaît, les esclaves sont polis. Les maîtres sont tout à fait arrogants, prétentieux, ils vous insultent, tous les mots. C'est quand même tout de même assez bas. Alors, vous savez, la situation, c'est que... Donc c'est pour ça que le revenir à la langue française, reconquérir la langue française, c'est un enjeu pour chacun d'entre nous, parce que moi j'ai vu récemment des gens complètement aliénés. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils sont A, ils sont B. Ils croient qu'ils sont des canards, ils sont des lapins. C'est-à-dire qu'on leur a mis un logiciel qui ne correspond absolument pas à ce qu'ils sont, mais ils ne s'en aperçoivent même pas. Et bien c'est ce qui se passe quand on a perdu l'usage de sa langue. On ne sait même plus qui on est. Donc l'enjeu de la reconquête de la langue, c'est d'abord la reconquête de son cerveau, de son destin, de son avenir. Qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère? C'est ça d'abord, c'est soi qui... Bon, c'est le respect de soi, la langue. C'est le respect de... Et donc vous avez
deux langues opposées actuellement, je vous l'ai dit, on peut dire la langue du XVIIe siècle et la langue qu'on appellera, pour comprendre, révolutionnaire. Et vous avez vu la puissance de la révolutionnaire. Si la révolution anti-française de 1792, celle de française de 1789, si on veut jouer avec les mots, a été si puissante, c'est à cause, et c'est grâce, si je peux dire, de la puissance de la langue française, de la beauté de la langue française. C'est-à-dire que les idées anglaises ont été véhiculées par la langue française. Et là, vous avez évidemment cette, ce qu'avait bien remarqué Ésope, une chose en avait. Ensuite, donc, vous avez deux visions du monde différentes. La vision française et la vision anglo-saxonne, pour faire court. La vision française, c'est une vision de création. Les Français sont des créateurs, on le voit dans la mode. Quand vous voulez faire quelque chose de moche, vous venez en France et vous avez un artisan qui vous fait bien les choses pour que le moche passe. C'est pour ça que Jeff Koons vient à Versailles. C'est-à-dire qu'il faut un cadre magnifique pour faire passer une ordure. Ouais, Et donc, la langue française, c'est la langue de la création, c'est la langue de l'intelligence, de la vérité, etc., et de l'harmonie. Tandis que le modèle anglo-saxon, c'est destructeur et chaos. Et c'est pour ça que Capor est venu, mais vraiment de manière extraordinaire, avec l'arrogance britannique, et en plus, soutenu par les autorités, évidemment, le président de la République, installer une expédition chaos à Versailles. Mais encore, ne demandez pas à ceux qui font preuve... Qui font profession de réinformation, autre chose, de s'intéresser à ces choses-là. Le disque est écrasé, il ne voit même pas. Donc c'est ça quand même la mauvaise nouvelle. Bon, donc il faut rappeler. Alors maintenant, nous sommes dans les élections. Donc la langue française va s'inviter à l'Académie française pour la reconquête. Bon, c'est-à-dire que l'Académie ne veut toujours pas rentrer dans la logique de la reconquête de la langue française. Bon. Donc je vais écourter, mais c'est ce qui doit être fait dans le cas d'élection, et l'année prochaine, les élections présidentielles. Donc c'est une mise en demeure des candidats de s'engager pour ou contre la reconquête de la France. Et là, si vous voulez, je constate, c'est-à-dire que les gens sont pour ou contre l'art contemporain, pour ou contre la nouvelle cuisine, pour... mais la langue française, je ne connais personne qui m'a dit « je suis contre ». Surtout s'il le dit en français, c'est comme difficile. Hein? C'est comme personne, officiellement, ne peut dire qu'il est pour le mensonge. C'est très difficile. Vous voyez, quelqu'un qui vous dit, moi je mens et je vais vous dire ce que j'en pense. Ça passe mal. Vous voyez, c'est très difficile. Donc, il y en a qui peuvent se taire, mais nul ne peut être contre la reconquête de la langue française. Et c'est ça le véritable débat que nous allons engager avec nos moyens, nos petits moyens. C'est la mise en demeure des candidats de s'engager et nous allons publier ceux qui sont pour ou contre. Et évidemment, la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle, c'est que si les Français ne s'engagent pas, eh bien évidemment, il n'est pas possible que la grenouille retrouve sa vie. Voilà. Alors, donc maintenant, nous allons conclure. Donc, c'est que la première chose, il faut reprendre le pouvoir sémantique. C'est le contrôle de la langue et de son cerveau. La deuxième, ça nous mène au contrôle de la culturelle. Et le troisième, au contrôle de la politique. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez un langage dominant qui est un langage fort. Il faut le détruire. Il faut le détruire. Et il se détruit pas mal tout seul, mais c'est une question de vitesse. C'est-à-dire que quand vous affichez sur les monuments liberté, égalité, fraternité, il faudrait marquer au-dessus contradictoire et au-dessous mensonge. Parce que liberté, égalité, fraternité, personne, d'ailleurs, c'est étonnant d'ailleurs que ça n'ait pas été fait. C'est-à-dire que personne ne s'est donné la peine de dire que ça ne peut pas tenir la route. Quand vous dites vrai, beau, vrai et bien, alors tout le monde comprend. Après, il faut détailler. Hein. Mais quand vous dites liberté, égalité, fraternité, surtout que ça c'est... la liberté, ça a été la destruction des monuments et des symboles. L'égalité, ça a été la guillotine. Et la fraternité, ça a été le terrorisme. Ça, c'est 1792. Personne ne sort le dossier. Parce qu'actuellement, vous avez un président de la République qui dit qu'il faut sauver le patrimoine, mais il va très très loin au Moyen-Orient pour le dire. Mais la destruction morale du patrimoine se fait en France tous les jours, à l'école, à Versailles et ailleurs. Bon. Donc personne ne dit que le terrorisme, c'est une invention, non pas française, mais anti-française en France. Bon, donc c'est quand même assez étonnant. Et liberté, égalité, fraternité, je défie qui que ce soit d'en parler. Si vous êtes libre, vous êtes libre de ne pas être égal. Si vous êtes obligé d'être égal, c'est que vous n'êtes plus libre. Et la fraternité, si vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé d'être fraternel avec n'importe qui. Donc c'est un truc très facile, passe-partout, qui permet, je passe à droite, je passe à gauche, je passe au-dessous, mais c'est le pouvoir qui a toujours raison. Parce que c'est le seul qui peut parler. Sinon, il vous coupe le micro.
Hein, quand vous pensez que le mariage Taubira a été fait au nom de l'égalité, mais enfin c'est une, si vous voulez, ça montre que et aucun député n'a résisté parce que c'est la guillotine. Personne n'ose résister. Alors on vous dit que nous sommes dans un régime laïque, c'est pas vrai du tout. Il n'y a jamais eu tant de dieux. Avant il y avait un dieu monolithique. Maintenant vous avez le dieu liberté, le dieu égalité, le dieu Taubira, le dieu élection, le dieu loi. Bon, il faut chaque fois se mettre à genoux et dire merci. Bon, il y a aucun recours puisqu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique et si vous voulez évidemment dire ce que je dis est vrai, on vous dit attendez, passez par l'exception de vérité, et là vous sortez par la porte de service, impossible. Bon, alors voilà, donc l'idée simple c'est que maintenant tout a été ramené depuis Leibniz à l'expression ne discutez plus, calculez. C'est pour ça que la langue française doit être rétablie, c'est-à-dire que quand, pour savoir ce que les Français pensent, on fait un sondage. Mais c'est pas comme ça que la France s'est faite, parce que les gens devraient se demander, nous devrions demander comment la France s'est faite. Ça a l'air, c'est bizarre, depuis que les bons principes ont été trouvés, le régime idéal, par construction, liberté, égalité, fraternité, droit de l'homme, etc., a été fait. Le pays ne cesse de décliner. Et depuis, surtout qu'il a supprimé la tyrannie et l'obscurantisme. Il ne faut jamais oublier que c'est le régime qui nous domine, devant lequel il faut se mettre à genoux, si vous voulez. C'est le dieu laïcité, hein, le dieu laïcité auquel on doit obéir. Je vous rappelle que la laïcité a été faite par les laïcs en disant, Buisson en particulier, en disant vous avez inventé un mot pour nous dominer, c'était Dieu. Eh bien eux, ils en ont inventé un autre, c'est laïcité. Bon, c'est eux qui dirigent, celui qui parle. Bon, c'est tout de même une chose tout à fait étonnante. Bon, eh bien, depuis, donc, il faut s'entendre sur les principes. C'est ce que disait Confucius, on ne peut pas discuter. Donc il faut rétablir la chaîne de discussion. La France ne s'est pas faite par les calculs, elle s'est faite par la langue, par des discussions, par des débats. Hein, c'est-à-dire que quand vous voyez ces magnifiques villages, cette cuisine, cet art de vivre, cet art de la conversation, bon, cet art de vivre ensemble, c'est parce qu'il y avait des règles. Si vous n'avez pas les mêmes règles, vous ne pouvez pas vivre ensemble, vous pouvez vivre à côté les uns des autres. Et d'ailleurs maintenant, ce qui montre la destruction totale de l'intelligence du disque dur, et c'est qu'il y a un président de la République, c'est quand même pas mal dans la hiérarchie du président de la République. Il dit, nous allons débattre de l'identité. C'est quand même intéressant l'identité. Hein, c'est, en mathématiques, les identités remarquables sont maîtrisées. Eh bien, il n'a pas pu mener son débat. Ça veut dire que même un président de la République est incapable d'organiser un débat. Pas possible. Bon, c'est bien, ça signifie bien la mort de langue. Alors il aurait pu avoir un sondage, je ne sais pas. Deuxièmement, vous prenez la nationalité. Il y a un deuxième président de la République qui veut faire un débat. Il est incapable de le faire. Ça veut dire qu'ils ont la parole coupée, la langue coupée. C'est-à-dire que c'est fini. Le disque dur est complètement écrasé. Et ils ne savent pas le dire parce qu'effectivement, si vous parlez de mixité, ah ben à ce moment-là, la mixité, c'est plus l'identité ni rien, c'est la mixité. Mais la mixité, c'est l'absence d'identité, si j'ai bien compris. Hein? Bon. Ou alors, il faut inventer l'identité, on va dire c'est la mixité, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Voilà. Donc, on en est vraiment au point ultime. Alors, le point ultime. Donc, maintenant, le message, c'est ne calculez plus, discutez. Comment est-ce que la vérité est connue? Bien, les gens discutent. Et puis, quel est l'arbitre? Ben, c'est la logique, la non-contradiction. C'est comme ça que la science s'est faite, à partir de la science. C'est comme ça que la France s'est faite. C'est-à-dire que les Français se parlaient jusqu'au moment où la guillotine les a mis d'accord, si on peut dire. Et maintenant, il n'y a plus de débat possible. Parce qu'il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de principes, il n'y a plus rien. Et l'art de vivre n'a pas été inventé à la Révolution. Si la France était la douce France, c'est parce qu'il y avait cette harmonie. Il y avait des règles qui s'étaient respectées, il y avait une éducation dans les règles. Alors maintenant, on démolit tout. Tout est démoli. Enfin, ils démolissent tout. Puis après, ça va mal. Vous comprenez ? Avant, il y avait une bonne éducation, maintenant il y avait une école, maintenant il y a une caserne à côté. Parce qu'il faut maintenant faire la police. Mais la police, elle se fait par la parole, normalement. Elle se fait par l'intelligence, elle se fait par les règles. Maintenant, il faut uniquement il y a autant de policiers maintenant qu'il y avait une armée du temps de Louis XIV. Ben voilà où on est. Alors, si vous projetez l'avenir, comme je vous l'ai dit, tout ce qui se passe maintenant était prévisible. La destruction de l'école, moi je l'ai écrit parce que c'était évident, dès 1977. J'ai annoncé que dans 30 ans, il y aurait une crise de maths, parce que c'est évident. Quand vous cassez le moule, ben vous n'avez plus de gâteau après. C'est facile à comprendre. Bon, voilà. Donc la destruction de la langue, n'oubliez pas, c'est la destruction du cerveau. C'est l'aliénation totale, c'est la déliation de l'être, ce qui est en cause. Et on a beau dire maintenant, actuellement, sur Alep, il se passe des choses abominables, il y a des gens qui découvrent qu'une guerre, c'est abominable. Hein, c'est bizarre, pourtant il y a eu la guerre 14. Il y a eu le massacre de 2016, c'est le centenaire de 1916, qui était le massacre de la jeunesse, et vous avez quand même des monuments sur lesquels est marqué « à nos enfants ». Si vous réfléchissez deux minutes, « à nos enfants », vous dites « mais quels sont ces parents qui ont mené leurs enfants là ?»
Quelle responsabilité? Eh bien maintenant, nous ne sommes plus en 1916. C'est le massacre de la jeunesse actuellement. C'est la destruction de la jeunesse. Il faut arrêter ça. Il suffit de prendre un livre d'école pour voir que c'est un supplice. C'est la destruction de l'intelligence. C'est la destruction. Mais comment se fait-il? Comment se fait? Voilà. Donc c'est ce dont il s'agit. Bon, voilà. Donc maintenant, c'est ce qui est en cause. Et concluons. Bon. Donc, nous avons la solution à tous les problèmes. Et vous remarquerez qu'aucun candidat actuellement ne parle de la langue française. Aucun. Or, l'anglicisation, à marche forcée, c'est la destruction totale de toutes nos valeurs. Pourquoi ne le font-ils pas? Poser la question, c'est répondre. Or, je vais vous donner simplement une chose. J'ai constaté que dans le combat qui est mené, que pour la langue française, bon, l'école, ça répond. Mais vous avez peut-être des organismes de défense de l'école, hein, SOS, machin, truc, truc. Mais ils ne font rien. Aucun ne répond. Je les appelle, pas de réponse. Ils sont là pour demander « aidez-nous, au secours, nous coulons, donnez-nous de l'argent ». Mais il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il y a comme plan de toutes ces organisations puissantes? Rien du tout. C'est comme la défense du patrimoine. Quand j'ai lancé la défense du patrimoine moral de Versailles, j'avais des relations avec toutes les organisations. Ils ont même réuni un G8 pour savoir s'il fallait qu'ils fassent quelque chose pour Versailles. Ils disent « non, nous, ce n'est pas notre problème. C'est les éoliennes, autre chose. Mais non, pas le patrimoine moral, ce n'est pas notre problème. Nous, le problème, c'est les pierres. Donc les enfants, il faut simplement qu'il y ait quelques toilettes, qu'ils puissent avoir des douches, mais qu'ils connaissent la langue française, de préserver. Non, c'est pas le problème. C'est hallucinant. Ces associations de défense de l'école, rien du tout. Pas de réponse. Le disque dur est complètement écrasé. Bon, donc nous avons la solution. La solution, effectivement, c'est la reconquête de la langue française. Et il faut reconquérir l'académie, il faut reconquérir la langue, et il faut reconquérir les élites. S'il y avait un seul mot que vous dire tenir, c'est « abat les élus, vive les élites ». Parce que les élus ne représentent rien. Je vous fais élire un canard à la tête de l'État. C'est extrêmement facile. Il suffit de dire « est-ce que vous votez pour la guillotine ou pour le canard ?» Les gens vont voter pour le canard. Parce qu'on vote toujours contre. Donc c'est très facile comme système. Moi, je vous dis, j'ai fait un article qui s'appelle « Mathématiques présidentielles 2017 ». François Fillon, déjà élu, mais je peux vous en faire un autre. Je vais vous dire « déjà battu ». Avec les mathématiques, on fait ce qu'on veut. On pourrait même peut-être faire élire François Hollande. Les mathématiques permettent tout. Heureusement, ils les maîtrisent de moins en moins bien. Donc, par la langue chiffrée, on fait ce que l'on veut. Bon, la Révolution française est quand même étonnante. Tout à coup, vous avez des Français qui étaient paisibles. C'était pas moi qui l'ai dit, mais c'est Talleyrand qui a dit qu'il n'a connu l'ancien régime, n'a connu le bonheur de vivre. Et puis, tout à coup, il y a un affolement général. Et il y a des gens... Il semble que ce soit les Français qui détruisent leurs églises, qui cassent tout, qui se tuent les uns les autres, qui se traitent de traîtres. C'est formidable, ça. Ça, c'est ça la magie. C'est ça la magie, par la langue. Bon, par la langue, et les gens sont terrorisés, mais ils se tuent eux-mêmes. Mais bon, pourquoi pas. Alors, donc nous avons... Alors maintenant, c'est la question des élites. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Vous regarderez dans tous les domaines, c'est toujours la mauvaise décision qui est prise. Toujours. Tous les domaines que je connais, bon, il y a un article dans le Figaro que j'ai là, le Figaro, vous avez un journaliste qui explique que le protectionnisme, c'est la solution. Il faut se défendre contre la Chine, etc. Mais la protectionnisme, c'est la solution de tout le monde. En général, les gens ferment leurs portes, bon, mais évidemment, il faut ajouter intelligent. C'est-à-dire qu'il faut fermer la porte quand on est dedans, il ne faut pas s'enfermer à l'extérieur. Donc vraiment, enfin c'est ça, on en est là. Et alors, tout l'article montrait qu'effectivement il faut se défendre contre la Chine, tout le monde montrait que tout l'article montrait que l'Union Européenne avait fait le contraire de ce qu'il fallait, mais il a dit attention, ce n'est pas du protectionnisme que je dis. C'est-à-dire que les gens sont tellement formatés, si vous voulez, qu'il faut tout de suite qu'ils répètent, qu'ils s'agenouillent devant le dogme. Bon. Alors, maintenant, la question des élites. La France, c'est faite par les élites. La langue française, c'est une langue d'élite. Ne demandez pas à l'Académie comment la langue française s'est faite, elle croit que c'est le peuple français. Ce n'est pas le peuple français, en termes de peuple français, c'est pas vrai du tout. Réunissez 20 millions de personnes et demandez-leur de faire quelque chose. Eh bien, tout de suite, ils vont se différencier. Et écoutez, on va pas tout faire tout seul, moi je fais le pain, toi tu fais ci, tu fais la maison. Tout de suite, il va y avoir une différenciation cellulaire, comme on dit. Et la société s'est faite comme ça, c'est-à-dire qu'elle s'est spécialisée. Donc, et d'une manière pyramidale. Ça se fait tout naturellement quand vous mettez des gens tout seuls. Donc, il est impossible de faire un texte à 60 millions, à 20 millions de personnes. Bon. Donc, toute l'histoire, c'est comme l'histoire des pommes, l'histoire de la sélection des pommes. Chaque village avait ses pommes sélectionnées. Même Lévi-Strauss a dit que la race est le produit de la culture. Je dis ça en passant pour un certain Finkielkraut, qui dit des choses intéressantes là-dessus. C'est que la France est un pays d'élite. Je ne dis pas que d'autres n'ont pas des élites. Et quand nous voyons le résultat
de ce travail des élites différenciées, évidemment, c'est une merveille. D'ailleurs, la France est le pays le plus visé du monde. Ne demandez pas au gouvernement, il ne sait pas pourquoi. Eh bien, les étrangers qui viennent en France, c'est pour voir Louis XIV, c'est pour voir Marie-Antoinette, c'est pour voir Notre-Dame, c'est pour voir cette merveille créée par une méthode. Et la méthode, c'était, comme la méthode scientifique, c'était la recherche de l'excellence. Et dès que l'on recherche l'excellence, on se fixe des règles. Quand on fait la cuisine, il y a des règles. Quand on conduit, même, il y a toujours des règles. Mais maintenant, quand vous parlez de règles, comment des règles, comment ça va? Oui. Maintenant, c'est des lois, c'est l'inverse. La loi, ça vous est imposé, la règle, c'est utile. La règle, ça marche, ça fait rien de marcher droit, la règle. Bon, tandis que la loi, c'est à la règle, un coup de règle, pour vous faire marcher comme il faut. Et donc, c'est cette question. Alors, comment les élites se sont-elles faites? Eh bien, par le langage. Quand vous voulez, on sait dans un certain milieu qu'il y a un bon médecin, qu'il y a un bon charcutier, ça se fait comment? Il n'y a pas de vote. Mais ça se sait. Or, quand vous prenez, vous fixez sur le langage. Vous dites maintenant, nous allons reconquérir la langue. La reconquête de la langue française, c'est la reconquête du pouvoir, c'est la reconquête de soi-même. C'est la reconquête des élites. Bon, eh bien, prenez les mots. Prenez le mot élite. Vous avez tout un ensemble de gens qui disent les élites sont pourries. Ben, c'est comme dire les pommes sèmes sont pourries. Les élites, c'est pas pourri. Les élites, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous cherchez le dictionnaire, pour confirmer. 12e siècle, le petit Robert. Eh bien, élite. C'est l'ensemble de ceux qui sont considérés comme les meilleurs, qui sont reconnus comme les meilleurs. Reconnus, c'est pas un vote, c'est reconnu. Bon, donc c'était vraiment les meilleurs, reconnus. Et la France s'est faite par les corporations, par ceux qui étaient reconnus comme les meilleurs. Et c'est pour ça que les résultats, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais quand vous prenez la suite du mot, parce que les mots vivent, quand vous arrivez à 1928, c'est ceux qui sont au premier rang. Avant, c'était les meilleurs, maintenant, c'est ceux qui sont les premiers rangs. Qu'est-ce qui est passé par là? Ben, c'est la révolution, c'est le vote, c'est le suffrage dit universel. C'est-à-dire que les chiffres permettent de dénaturer complètement un résultat. Les élections, c'est un trucage. Et maintenant, ceux qui sont au premier rang, vous les voyez d'ailleurs. Vous voyez bien que ce ne sont pas les meilleurs, ce sont les pires. C'est-à-dire que le système électoral, ce n'est pas l'ascenseur social, c'est le descenseur social. Donc il faut casser ce système d'élections truqué, qui détruit, qui met des élus à la place des élites. Nous avons besoin d'élites. Donc, par le langage, comment les choses se passent? Eh bien, vous avez des mots. Il y a des mots qui sont dans la pyramide à un certain endroit. Eh bien, ceux qui sont représentatifs d'un mot vont à l'endroit de la pyramide. Et donc, tout simplement, par les mots excellence, vous avez les meilleurs qui trouvent leur place, parce qu'on dit c'est le meilleur. C'est comme ça que se fait l'élection dans l'entreprise. Moi, j'ai connu. Hein, parce que le système électoral, il marche que pour les élections politiques. Donc ça veut bien dire que c'est un faux système, c'est un système de trucage. S'il était si bon le suffrage universel, eh bien il serait appliqué universellement. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il n'est universel qu'à un seul endroit? Ah, c'est bizarre ça. Ça ne marche pas, l'armée ne marche pas comme ça. La justice, c'est pas quand même les prévenus qui élisent les juges quand même. C'est dommage, ça aurait de bons résultats. Il n'y a qu'un endroit où ça marche, c'est dans l'endroit le plus important, c'est la décision de l'ensemble, et c'est parce qu'évidemment, c'est un système truqué qui permet un élément extérieur de décider. Et d'ailleurs, les Grecs, je vous le rappelle quand même, parce qu'on parle de démocratie, les Grecs avaient deux conditions pour être en démocratie, pas d'élection, pas d'avocat. Voilà. Donc, alors, ne parlons pas de démocratie, bon, ça c'est... Mais oui, je vois qu'on est étonné, vous verrez ça. Mais oui, parce que les Grecs voulaient se prévenir, ils savaient très bien qu'une élection, ça s'organise. Vous avez vu combien ça coûte de se présenter avec Sarkozy et d'autres? Vous avez vu que le coup, c'est ça l'égalité? Un homme, une voix, mais... 20 millions, 0 euros. Donc c'est de la rigolade. Les Grecs avaient tout compris. À l'époque, je vous dis, c'est le miracle grec. Ils savaient que dès qu'il y a des élections, c'est ce que me disait le conseiller de Poprenne, l'élection est la marque de l'oligarchie, évidemment. Il faut payer pour l'élection. C'est comme la justice, c'est censitaire. La justice, c'est censitaire. Voilà. Donc nous avons les éléments. Donc je répète, nous avons un monde à l'envers. Il faut le remettre à l'endroit. La manière de le remettre à l'endroit, c'est d'utiliser le langage. Le langage a été inversé à la Révolution. Il faut remettre le langage à l'endroit. Et il faut, ça va faire plaisir à M. Payon, il faut terminer la Révolution. Parce qu'une révolution en maths, c'est simple. C'est 360 degrés, 2 pi ou 400 degrés centigrades, si on préfère. Une révolution, c'est vous regardez le soleil, regardez la lune. La révolution, c'est... Et c'est là que le langage vous est utile. La révolution dite française, et en fait anti-française, a fait une demi-révolution. Puisque, comment ça fonctionne? Le roi souverain règne sur le peuple sujet. Phrase classique. Le roi souverain règne sur le peuple sujet. Le verbe, c'est règne. Inversion, révolution, demi-révolution du sujet du complément par rapport au verbe, ça vous donne le peuple souverain règne sur le roi sujet. C'est Louis XVI,
premier magistrat des Français. Donc c'est une demi-révolution. Vous continuez la révolution et vous remettez le peuple à sa place. Et tout est comme ça. C'est le signe fait la valeur fait le signe. Dieu s'est fait homme, l'homme s'est fait Dieu. Donc toute l'histoire du langage, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle La tête coupée, Nominalis Realis, la querelle du nom et du verbe, c'est cette inversion du langage. Donc la solution, c'est d'inverser le langage, et ça fait que ce qui était en bas est allé en haut, vous voyez bien par les élus, eh bien il faut renvoyer ceux qui sont en haut, en bas, et ça fera remonter les élites en haut. Élus, élites. C'est très facile. La solution est ça. Donc, il faut avoir confiance en langage. Alors, ce qu'il faut maintenant, donc il faut revenir aux règles, il faut revenir aux règles issues de l'Antiquité, et les classiques sont toujours les modernes. Parce qu'ils ont les règles, ils les adaptent, et il n'y a que les classiques qui soient modernes. Parce que les vrais modernes, c'est ceux qui durent. Et donc, ce sont les classiques. Les autres pas. Et alors, il y a cette phrase extraordinaire que je tire de M. Cuvier, qui est professeur de rhétorique de l'Université de Paris, donc en 1767. Et alors, évidemment, là, je vous parle avec beaucoup d'assurance, n'est-ce pas? Bon, une assurance tout risque, même. Pourquoi? Ben, c'est parce que ce n'est pas moi qui parle. Je ne fais que traduire. Et lui dit, « Je ne crains pas de m'exprimer avec cette pleine et parfaite confiance. » Dans les lumières des grands maîtres de l'Antiquité, leur autorité est consacrée par l'estime de tous les siècles. Donc, il suffit, si vous voulez, de monter sur les épaules de ces géants, on les avait, pour voir très très loin. Donc, et c'est ça le génie du siècle de Louis XIV. C'est tout simplement, vous avez un acquis, vous montez sur ces géants, et vous voyez de plus en plus loin. Donc, il faut revenir à ces règles que nous avons. Mais il faut écarter les faux porte-paroles. Et moi, je ne vais pas en parler très longtemps. Mais c'est une chose quand même qui me frappe. Quand vous voyez, par exemple, le succès de livres comme Zemmour, comme je prendrais Zemmour, par exemple, et Philippe de Villiers, qui sont édités chez Albin Michel. Il faut savoir qu'Albin Michel, j'en sais quelque chose, puisque j'ai gagné le plus gros procès en contrefaçon contre Albin Michel qui a été fait, passé totalement sous silence, parce qu'il ne faut pas quand même montrer qu'on pouvait gagner. C'est une machine à faire des best-sellers. Bon. Mais laissons ce sujet de côté, et revenons à cet aveuglement du langage. Vous prenez le fameux livre de Zemmour, dans lequel il dit qu'il faut la France qui se suicide, la France qui se suicide. Bon. Alors, moi je vous dis vraiment, pour gagner du temps, quand vous voulez acheter un livre, c'est ça, vous regardez un peu le titre, mais vous allez voir la conclusion. C'est comme quand vous prenez un médicament, vous allez voir vous allez voir le principe actif. Vous allez voir ce que ça guérit. Et puis si vous voyez que ça ne guérit pas, ben, c'est pas la peine d'acheter le médicament. Vous voyez, c'est tout bête. Et vous verrez que la plupart des livres qui sortent ne proposent rien. Je prends le fameux suicide français de Zemmour. Alors, il faut voir cinq choses. Le titre, ça attire. Bon, l'introduction, la conclusion, le plan. Bon, le plan et le plan. Et vous prenez la quatrième page de couverture. Et là, dans le livre de Zemmour, regardez comment il est fait. C'est un livre Albin Michel. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous aide éventuellement, hein, un documentaliste, ou qui n'est pas forcément avec Albin Michel, mais qui prépare les choses. C'est pour ça que le livre de Zemmour, c'est un millefeuille. Une date, un truc. Et puis à un moment donné, vous avez le commercial qui dit « c'est le moment de sortir ». On dit « j'ai pas terminé ». C'est pas grave, ils verront pas. Bon. Et à ce moment-là, vous sortez ce livre. Parce que vous remarquerez qu'il manque 3 ans à la fin. 3 années. Il y avait même la manif pour tous qui n'est pas. Mais c'est pas grave. Personne ne verra. Parce qu'il suffit qu'il y ait des choses qui fassent plaisir. L'introduction est bonne. Le titre est racoleur. Quand vous dites dans l'ambiance actuelle que vous vous suicidez, que vous allez mourir, ça plaît beaucoup. C'est très tendance. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est bizarre. Bon. Et alors, dans ce livre, alors moi je vais chercher la conclusion. Je dis qu'est-ce qu'il propose? Vous avez trois hypothèses quand quelqu'un va mal. Premièrement, il est malade. Bon, c'est une possibilité. Deuxièmement, il se suicide. Troisièmement, on l'assassine. Eh bien, ça, M. Zemmour ne s'est même pas posé la question. Tout de suite, il va au suicide. Bon, c'est quand même dommage. Il n'explique pas pourquoi ça suicide. Mais quand vous allez voir la conclusion, je ne sais pas si... Ben, je pose toujours la question, vous avez lu tel livre, qu'est-ce qu'il y a comme... Eh bien, il ne dit pas, il n'y a pas de conclusion. Il dit, c'est pas mon rôle de conclure. Et puis d'ailleurs, on ne peut pas conclure parce que la droite et la gauche n'est pas d'accord. C'est quand même très étonnant. Bon. Et donc, tous les livres sont comme ça. Vous avez, alors, Les cloches sonneront-elles encore demain? Vous voyez, c'est ces derniers livres de Philippe de Villiers que j'ai entendu. Alors, il a dit, par exemple, il dit, dernière chose, je l'ai entendu récemment, il dit qu'il faut abandonner le vrai et le juste. C'est le beau maintenant. Personne ne remarque. C'est quand même un vrai sujet. Le beau. Bon. Enfin. Bon. Alors, il faut. Alors, la conclusion, c'est il faut renouer avec d'autres pays. Ah, oh, ça vient, ça. Il faut renouer avec d'autres pays. Il faut renouer, ça ne, avec d'autres pays. Là, il n'y aura pas de contestation, là. Il faut renouer avec d'autres pays. Bon. Il propose d'inventer un nouveau roman d'amour. C'est formidable. C'est sur l'islam, hein. C'est la fin, ça, hein. Inventer un nouveau roman d'amour pour que chaque Français puisse partir dans la vie avec un bagage imaginaire qui porte ses rêves. Voilà la conclusion. Bah, c'est peut-être pas la peine d'acheter le livre à ce moment-là.
Hein, je sais pas, enfin si vous avez... Bon, voilà, bon. La cause du peuple. Bon. Alors, il y a un autre livre qui s'appelle de Jacques Attali, Vivement après-demain, 15 jours pour ça, Vivement après-demain, vous voyez. C'est, quand vous lisez ça et que vous appliquez quand même votre intelligence, on dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ça? Quel est le processus? On part d'où? On va où? C'est quand même formidable, là, il n'y a pas de risque, là, il n'y a pas de révolution possible. La cause du peuple. Témoignage capital sur la délinquance, de la déliquescence du pouvoir et contribution majeure au débat public. Mais il n'y a pas de débat public. Ce livre, au fond et forme, se conjugue, qui se conjugue. Alors, il y a le fond et la forme qui se conjuguent, c'est chez Buisson, c'est intelligent. La fond et la forme se conjuguent. Vous connaissez un sujet sur lequel le fond et la forme ne se conjuguent pas? La question, c'est savoir si ça conjugue. Enfin, comment ça se conjugue? Ne laissera personne indifférent. Voilà, voilà ce qu'on vous propose. Ça ne vous laisse pas indifférent. Emmanuel Macron, révolution. Alors, il conclut, c'est la révolution démocratique que nous devons réussir pour réconcilier la France, la liberté et le progrès. C'est une vocation, c'est sa vocation, et je n'en connais pas de plus belle. Voilà ce qu'on vous propose. Mais avec ça, vous avez des chances. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour l'année prochaine? Et c'est là que nous comptons sur vous. Bon. Donc, un, c'est un monde à l'envers. Il faut le redresser par la langue. Il faut remettre le langage, le monde à l'envers. Comment? Par l'ascenseur social. Vous avez la société, la langue et les valeurs. C'est une pyramide. Si vous remettez les mots à leur place, vous remettez la langue à leur place, et vous, la langue à sa place, et la société. Et vous remettez les élites à leur place, parce que les élites sont totalement exclues actuellement. Mm-hmm. Totalement, elles existent. Bon, la règle de l'ascenseur social, c'est la règle des mots. Ce sont ceux qui représentent les mots d'en haut, qui doivent être en haut, et qu'il faut faire monter. Bon, c'est ce qui s'est passé à l'époque. Retour aux sources des règles certaines. Ce sont des règles qui datent des Grecs. Pourquoi est-ce que vous avez toujours les visites du Parthénon? C'est qu'il y a ces règles, ces canons qui ont été trouvés. Ensuite, écarter les pleurnichards. C'était ce que disait Aïcha, la mère de Nasrid Bouabil, que vous connaissez. Tu pleures comme une femme ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. Un chute de grenade. Et c'est tous les livres. Tous les livres sont des pleurnichards. Est-ce que les cloches vont sonner? Est-ce qu'elles vont pas sonner? Serons-nous encore là demain? Fera-t-il beau? Donc c'est pas un langage très viril. Bon, bon. Écarter les faux porte-parole. Donc ceux qui n'ont pas de conclusion. Regardez, quand vous avez un médecin, prenez celui qui peut régler votre problème. S'il l'a pas, c'est du divertissement. Et donc, terminez la révolution en remettant le langage sur ses pieds. Donc il faut remettre l'intelligence à la tête de la France. Bon, il faut redonner à la langue française sa primauté de langue de l'intelligence, de latin des modernes, et refaire de la France le fer de lance de la civilisation universelle dans le combat qui oppose les deux grands modèles, le modèle français et le modèle anglo-saxon. Et j'ai retrouvé une référence terrible de Sir Charles Tyke en 1068 qui disait « La race saxonne est la seule race exterminatrice au monde ». C'est-à-dire qu'il faut savoir que la langue, l'anglicisation, c'est une extermination. Et à ce moment-là, est possible et tout sera possible. C'est la solution, le remède. Et Madame Karen Dankos disait, ça sera la conclusion, elle dit, l'avenir de la France, et je dirais du monde, est indissociable de la gloire de la langue française, je dirais de la vérité, de la probité, de la beauté, de l'intelligence de la française, mais encore, c'est indissociable de la reconquête de l'Académie française, qui est l'instance souveraine pour la langue, et la reconquête par les Français de leur propre langue, dont nous allons à faire l'expérience. C'est-à-dire que si nous faisons confiance à notre langue, nous gagnons devant les tribunaux, nous gagnons partout. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils veulent détruire la langue. Nous sommes devant un génocide qui a commencé déjà il y a 2 siècles, qui est très avancé, mais tous les espoirs sont permis, parce que le verbe, comme disait Victor Hugo, car le mot c'est le verbe, et le verbe c'est Dieu. Donc par le verbe, nous devenons Dieu. Voilà une bonne nouvelle pour la laïcité. Je vous remercie.